Non, manger après minuit. Croyez quoi? J'ai pompé dans la Bible ou les gremlins, ça va très bien. Réfléchissez un peu. Non, il aura interdiction de tomber amoureux parce qu'évidemment, cette horloge sera extrêmement fragile. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui dit Dr. Madeleine. En haut de cette colline, il y a toujours les gens qui viennent adopter. Personne ne voudra l'adopter à lui parce que tout le monde entend le bruit de tic-tac, demande un petit peu ce que c'est, soit se mettre à rire, soit sont effrayés. Et un jour de déprime, comme ça, il va se mettre un petit peu à parler avec les autres malades de cet endroit qui viennent se faire réparer par le docteur Madeleine. Il y aura d'abord Anna et Luna, deux prostituées qui viennent toujours accoucher en période de Noël, comme ça, avec leur gros ventre, et qui s'amusent à prendre des mots un petit peu curieux au personnage principal, qui n'a que 4-5 ans. Ils leur apprennent des mots très cochons qu'elles utilisent dans leur travail professionnel, notamment le mot cunilingus, que le personnage va adorer, parce que ça, pour lui, ça lui évoque comme un personnage de la Rome antique. Vous comprenez? Cunilingus, il faut le répéter plusieurs fois. Plus on le répète, plus ça rentre dans la tête, après on le fredonne toute la journée. Je vous propose de vous livrer avec moi à cette expérience magique.